Ramos. Eh bien, Luis Buñuel, Luis Alcoriza et Carlos Fuentes, très gentiment, vous nous recevez ici parce que vous savez que nous faisons une émission sur le cinéma mexicain. Et nous essayons un peu de faire le point, de savoir où en est le cinéma mexicain, qui était très connu en France il y a quelques années et maintenant plus du tout. Ah, je ne sais pas, je suis très peu au courant de tout, je ne vais presque jamais au cinéma. Je ne sais pas, vraiment je ne sais pas, la cause sûrement c'est parce que les films ne sont pas bons. Le marché qu'il y avait pour le Mexique, c'était l'Amérique du Sud. Au sujet de l'Amérique latine, est-ce que les producteurs, par ignorance, ne se sont pas rendus compte? Ils ont fait des films il y a 20 ans pour un public essentiellement d'analphabètes, de gens illettrés en Amérique latine. Alors aussi en Amérique latine, il y a eu un développement social. Il y a un croissement de la classe moyenne, de la bourgeoisie, etc., etc. Alors, tous ces gens qui allaient voir le cinéma mexicain il y a 20 ans, maintenant, cherchent des films de Fellini, d'Antonioni, de Bergman, de Truffaut, non? Bien sûr. Et ils donnent le dos au cinéma mexicain tout à fait. Puis, il y a un problème de distribution inouï, dont je voudrais parler, car on peut toucher le problème d'un film de Buñuel, Nazarín. Les distributeurs de films mexicains se sont accoutumés à distribuer des films épouvantables, de troisième ordre, dans de très mauvaises salles, non? Alors, quand ils ont un film comme Nazarin, dans le Maine, par exemple, je sais que Nazarin a donné 80 dollars à Lima. Parce qu'il a été montré en première exhibition dans une salle de deuxième ordre avec un film de mariachis et personne n'a voulu voir Nazarin dans ces conditions-là. Alors, il y a toutes ces mauvaises organisations et toutes ces pourritures qu'il faut changer comme ça. Je trouve aussi qu'il y a plusieurs causes. D'abord la pauvreté, d'abord je crois que c'est la pauvreté commerciale, économique, mais après il y a des causes très importantes. D'abord c'est la pauvreté spirituelle des producteurs, chose qui n'est pas exclusive du Mexique, c'est un peu partout, mais enfin, ici prédomine. Après, les syndicats, notre syndicat mexicain est le meilleur du monde, du point de vue défendre l'associé, le camarade qui est dans le syndicat. Il rassemble tous les branches de la cinématographie, depuis l'auteur du scénario jusqu'au violiniste qui joue, jusqu'au balayeur du studio. Tous sont dans le syndicat. Si un balayeur ne touche pas un samedi, on peut arrêter toute la production. Ça, c'est une arme très puissante pour avoir les producteurs et les gens qui payent dans la main, non? Donc c'est magnifique. Mais par contre, c'est très mauvais pour le progrès du cinéma mexicain, parce qu'il n'accepte pas personne. En principe, je ne veux pas exagérer, il y a les acteurs dans certaines conditions pour rentrer, les directeurs aussi, on accepte, mais il y a d'autres branches du syndicat qui sont complètement fermées. Il faut ascendre, il faut remonter les grades comme dans une caserne. Je vais mettre un exemple concret. Oui. Un type rentre au syndicat, très difficile, c'est presque impossible. Même les fils de syndicat ne peuvent pas rentrer. Il rentre au syndicat, mettons le syndicat de techniciens. Il doit rentrer avec des recommandations, par chance, on le destine 2 ou 3 ans au groupe de la construction de décor. S'il est très intelligent et il est docteur en philosophie et lettres, peut-être il peut arriver à être machiniste au bout de 2 ans. Alors là, il passe comme machiniste 3 ou 4 ans, ou comme électricien. De là, il faut choisir une branche, par exemple, l'opérateur, le son ou la direction, la mise en scène. On va prendre par exemple la mise en scène. Ce machiniste qui démontre son envie d'être un jour metteur en scène, il passe à chef d'extra, chef de reparto, on appelle. C'est-à-dire le type qui choisit les extras, qui si on a besoin de 1000 extras, il prend les 1000 extras, oui, oui, il oui. Les gouverne et tout ça. Après, là, 2 ou 3 ans, je ne sais pas combien de temps, il peut arriver à script. Et là, il peut passer 15 ans, très bien. 10 ans, script, 15 ans, avec scénariste. Du talent, avec du talent et l'esprit. Script girl, script, non, girl. Script boy. Script boy. Et là, de script boy, s'il y a beaucoup de talent, il y a 4 ou 5 assistants qui sont morts, il peut peut-être arriver assistant. Et là, il finira ses jours comme assistant. Apparemment, oui. Voilà, ça j'ai pris une branche quelconque. Oui, alors, oui. Dites-moi une autre de décorateur, de production, de toute la même chose. Oui. Donc c'est une grande... un grand obstacle. C'est un syndicat de type corporatif qui est manié essentiellement par de très vieux gens qui ne veulent pas perdre leur place, c'est tout, non? Hein? C'est un peu la force de l'habitude, alors. Ces gens sont en place. Ils sont là depuis l'année 1930-35, non? Ils ne veulent pas perdre leur place. Icaro Cisneros, ce que je voudrais savoir, c'est un petit peu ce qui se passe actuellement
avec cette expérience du concours que vous avez organisé. Bon, on a organisé ce concours pour apporter des nouveaux visages dans l'écran, des nouveaux metteurs en scène, et des nouveaux écrivains et scénaristes. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont, la plupart n'ont jamais fait du cinéma comme metteur en scène, je veux dire. Il y aura lieu un concours. Oui. Et il y a plus ou moins 15 metteurs en scène qui font leurs films. Pour renouveler le cinéma mexicain. Alberto Isaac, je voudrais vous présenter au public français et vous demander, pour commencer, ce que vous avez fait avant de faire votre premier film. Yo fui dibujante de cartones en periódicos, en revistas. Pour commencer, j'ai été dessinateur dans des périodiques et des revues. Et ensuite, j'ai été athlète, ce qui m'a permis de voyager en plusieurs endroits du monde. J'ai fait également de la céramique et encore d'autres choses. Mais mon premier intérêt est pour le cinéma. Je viens de faire mon premier film sur une vieille idée que j'avais et j'en suis bien content. Une idée vieille que j'avais et... Está a punto de salir, creo que estoy muy satisfecho de la calidad de la película. Vous dites que vous êtes un athlète. Un athlète en quoi? Football? Non, natation. Natation. Vous avez voyagé beaucoup pour ça? Si. Europa, dos Olimpiadas. En Europe, deux Olympiades, Londres et Helsinki. José Luis Ibáñez, avant de vous demander de nous parler de votre film, je voudrais un petit peu vous présenter au public français et vous demander donc qui vous êtes. Pardon, je n'ai pas compris très bien. Je voudrais vous demander qui vous êtes, ce que vous avez fait avant de commencer la mise en scène de ce film Las Dos Helenas. Ah, j'ai travaillé pour le théâtre. Oui. Et d'après 1957. Oui. Et j'ai mis en scène la pièce de T.S. Eliot, Meurtre dans la cathédrale. À Mexico, vous avez oui, fait à Mexico. Et après ça, Les Bonnes de Jean Genet. Oui. Et une autre pièce de Peter Schaeffer, mm-hmm. Five Finger Exercise. Je ne sais pas si on l'a mise en scène en France. Manuel Michel, avec vous, il est très facile de parler en français parce que je crois savoir que vous avez fait vos études cinématographiques en France. Oui, j'ai fait 200 à l'IDEC, en effet. Et puis. J'ai eu le plaisir de travailler 2 ans à la télévision française. J'étais assistant, enfin, d'abord assistant stagiaire, et puis j'ai commencé à travailler avec Lorenzi, avec Bluval, enfin dans des émissions en général dramatiques. Et puis j'ai passé dans des émissions de variété. Et vous avez écrit un livre sur le cinéma français, je crois bien. Oui, c'est un livre publié par l'Université de Mexico. Ça vient de sortir il y a un an, approximativement. Il est traduit en français, ce livre? Pas encore. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le cinéma français? Bon, le cinéma français, dans ce bouquin, ça m'intéressait surtout de montrer un visage différent de celui qui donnent les historiens. Parce que, comme je le dis même dans l'introduction du livre, il y a beaucoup d'historiens et beaucoup de gens qui... s'occupent déjà des aspects historiques et qui sont des savants, si l'on peut dire, de ça. Et moi, je m'occupe tout simplement de la critique et d'essayer de montrer les aspects du cinéma français pour les gens qui sont plus ou moins déjà au courant de cette histoire du cinéma. Est-ce qu'il y a une tendance qui vous a particulièrement intéressé? Bon, évidemment, comme elle est beaucoup plus près de nous, cela nous intéresse beaucoup plus, la nouvelle vague, la tendance inaugurée approximativement il y a 1956-57 par là. Salomon Laïter, je crois bien savoir que votre métier réel, c'est d'être architecte. Oui. Est-ce que c'est exact? C'est exact, oui. Vous bâtissez des maisons? Oui, j'ai fait un peu de l'architecture. Je suis un architecte titulé. Oui. Mais j'ai abandonné l'architecture pour faire du cinéma. Vous avez décidé de faire du cinéma? Complètement. José Luis González de León, vous êtes, vous, un ancien de l'IDEC? C'est ça, oui. Quelle promotion? 9e. 9e, c'est-à-dire en quelle année? 1954, oui. Quelques noms, vous vous rappelez de quelques noms de Oui, on a parlé des Sévon, on a parlé des Guérin, on a parlé de Jacques Anton Duval, de Jacques Demeure, de qui d'autre?
Enfin, peu importe. Vous êtes rentré à Mexico depuis cette date. Oui. Et on m'a dit que vous étiez occupé pendant très longtemps du ciné-club avec André Rougon. C'est ça. Pendant 9 ans, je me suis occupé du ciné-club avec Rougon. Qu'est-ce que vous passez comme film dans votre ciné-club? Ben, on essayait de projeter les copies des films qui sont ici en commerce encore, n'est-ce pas, qui ont une circulation commerciale, parce qu'on n'a pas en réalité une cinémathèque à Mexico. Alors on essayait parmi les matériels commerciaux de trouver les films les plus importants pour, réviser un peu l'histoire du cinéma, non? Est-ce qu'il y a un intérêt pour les films français? Beaucoup d'intérêt, oui. Vous pouvez me donner quelques exemples? Bon, évidemment, il y a, surtout pour des ciné-clubs, il y a tous les vieux films français muets, par exemple, qui sont très intéressants, particulièrement toute l'époque de l'avant-garde. Et ce sont des films qui ne sont pas très difficiles à avoir pour des ciné-clubs. Il y a certains films des années 30 aussi, Prévert, Carnet, Renoir, n'est-ce pas, qui, Carnet, évidemment, oui. Renoir. Oui. Il y a Grémillon aussi. Ce sont des metteurs en scène qui ont beaucoup de public ici. C'est les mêmes qu'en France. Oui, en réalité, oui. En réalité. Est-ce que votre ciné-club ne présente pas aussi des films récents? Des films récents, oui, mais vous savez, les films récents français ne viennent pas très souvent ici. Vraiment, il y a une lacune dans ce sens-là, n'est-ce pas, du point de vue exploitation commerciale. Il y a beaucoup de films français très intéressants, de films nouveaux, qui ne sont jamais venus à Mexico. On le regrette énormément, mais on n'a pas le moyen de les faire venir. Il s'appelle comment? Tarahumara. Oui, je m'entends que ce soit vous qui le disiez que moi, parce que moi, je n'arrive pas à le dire. Le metteur en scène, c'est un jeune metteur en scène qui a fait beaucoup de théâtre, aussi de la télévision. Oui. Et ce film, c'est son premier. J'ai beaucoup d'espoir et d'enthousiasme, parce que c'est un garçon qui a beaucoup de talent. Il s'appelle Juan José Gurrola. Successivement, nous venons d'écouter Luis Buñuel et ses deux amis, Luis Alcoriza et Carlos Fuentes, puis Icaro Cisneros, le secrétaire de la section culturelle du syndicat de la production cinématographique, l'organisateur du concours auquel participent Alberto Isaac, le champion de natation, Manuel Michel et José Luis González de León, qui ont fait l'IDEC en France, José Luis Ibáñez, le jeune et talentueux metteur en scène de théâtre, Salomon Leiter, le diplômé d'architecture, et enfin Pilar Pellicer, la belle actrice mexicaine. Certes, nous sommes arrivés à un moment privilégié, en pleine recherche de nouveautés et dans ce climat un peu fiévreux qu'une compétition, surtout lorsqu'elle est également un pari, ne manque jamais de faire naître. Mais il nous a semblé que nous ne saurions jamais rien du cinéma mexicain et de ses perspectives si, avant de suivre quelques tournages et d'écouter quelques résumés de scénarios, nous ne faisions pas un effort pour essayer de comprendre quelque chose du passé et du présent de ce peuple que la distance, les obstacles de la langue et notre propre manque de curiosité nous dissimulent presque entièrement. Et tout d'abord, cette ville, dont on commence à savoir seulement qu'elle recevra les prochaines Olympiades. Et puis rien. La ville était là, autour de nous, bruissante de toute l'activité des hommes, émouvante dans son présent que tous les fleuves du passé viennent chaque jour remplir, hésitante peut-être devant les routes de l'avenir, mystérieuse, insaisissable. Aussi, pour ne pas nous égarer, et voulant avancer aussi sûrement que possible, nous sommes allés demander à un jeune écrivain mexicain, dont les livres sont traduits en France, de nous donner quelques points de repère, de nous guider dans ce labyrinthe de temps et d'espace où, sans lui, nous nous serions inévitablement perdus. Il nous attendait tout à côté, sur une terrasse dominant la ville. Carlos Fuentes, avant de faire comme ce personnage de votre livre, qui s'appelle XK Cienfuegos, je crois, ce personnage qui réunit entre eux beaucoup de personnages qui ne se seraient peut-être jamais rencontrés, avant de vous poser des questions sur le cinéma et sur ce qui se passe dans le nouveau cinéma à Mexico, j'aimerais beaucoup que vous nous parliez un peu de la ville elle-même. Cette ville que vous avez décrite dans votre livre, la région la plus limpide. La région la plus poussiéreuse, vous voyez. Maintenant, c'est la région la plus poussiéreuse. Une ville qui était, comme vous savez bien, la grande capitale des Aztèques, une ville fondée
par un aigle et un serpent, et on se demande pour parfois si c'est une ville digne d'être habitée que par des aigles et serpents. En tout cas, il y a un peu une approximation à ces deux figures mythologiques. On a besoin d'être un peu aigle et serpent pour vivre ici. La vie est très élevée physiquement et pas très élevée dans un autre sens. Hein? C'est une ville où on lutte beaucoup. On lutte beaucoup avec tout un passé, avec des choses qui sont très lointaines en apparence, qui sont très proches dans la vie quotidienne, on le découvre tout le temps. C'est une ville qui ne sait pas assimiler soi-même, sa vie, son passé, qui ne connaît pas très bien les routes vers son avenir. C'est une ville de contradiction, voire une ville un peu tragique. Ce qui se passe beaucoup à Mexico, on parle beaucoup du progrès du Mexique, etc. Et on voit ce progrès dans des bâtiments, oui, et dans des routes. On s'oublie qu'il y a des gens aussi là, non? Et la ville de Mexico, Carlos Fuentes, vous avez essayé de l'exprimer presque dans sa totalité dans votre livre qui s'appelle La région la plus transparente, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous voulez nous dire un peu comment nous y retrouver dans cette ville? Moi, je trouve que c'est une ville très difficile à vivre, non? Très difficile, mais très passionnant en même temps. Pourquoi passionnant? C'est une ville très, très contradictoire. C'est une ville avec tellement de niveaux. Vous pouvez, sans sortir de la ville, vraiment vous projeter dans les temps aller et venir, non? C'est une ville où vous trouvez ces vies de café qu'on voit, qui nous entoure. Vous pouvez aller trouver des magiciens avec des champignons, des sinogènes, je ne sais pas. C'est une ville pleine de contrastes et tout ça, non? Mais c'est une ville difficile, c'est une ville de gens un peu sombres, c'est une ville de gens... Je trouve pourtant les Mexicains plutôt gays, moi. Non, je trouve pas du... Nous ne sommes pas du tout gays, non? Dans le fond, vous êtes sombre? Nous sommes très sombres. Nous sommes très sombres. C'est le côté indien ou le c'est côté, côté espagnol? C'est le côté indien, c'est le côté espagnol, ce sont les deux choses. Hein. Alors ça... Ce sont les fils de Castilla et Anahuac. Vous savez, quand on arrive à Mexico, on ne voit rien d'abord. On voit des maisons plates ou des buildings, comme ouais, il y en a dans le centre. Ouais. Et on trouve la ville assez laide. Et ensuite, ouais, on est frappé par un grand dynamisme, ouais, tout de même. Ouais. Est-ce que c'est vrai? Vous savez, il y a eu un grand essor de la ville, un grand progrès, on parle beaucoup de ça. Et on le trouve surtout dans des détails extérieurs, non? Parce qu'on a fait une révolution et il faut démontrer qu'il y a un progrès. Et les gens cherchent à dire qu'il faut avoir aussi un progrès de leur vie, de leur personnalité. Ils cherchent à se manifester par des petits détails qu'on trouve partout à Mexico. Partout. Dans un grand leader général, je trouve, il y a tous ces petits détails de personnalité, de beauté, d'imagination, qui font la vraie personnalité de la ville, non? Mais ça, c'est sorti de l'esprit des gens, curieusement, sans être planifié ou quoi que ce soit. Ouais. Oui, il y a de très très jolies maisons, par exemple. Les appartements sont ouverts à la lumière, au soleil. C'est quand même une chose qui compte beaucoup à Mexico. Oui, ils comptent trop parce qu'on se contente avec le soleil et on ne cherche pas les gens. C'est une ville de gens très solitaire, c'est vrai. Très très solitaire. Comme toutes les grandes villes, non? Comme toutes les grandes villes, mais plus ici. C'est une ville où on ne peut pas se promener, par exemple. Hein? C'est difficile à se promener. À Paris, même à New York, on veut se promener très bien. Oui. Ici, c'est une ville comme Los Angeles, non? Oui. Vous êtes comme une sardine toujours mise dans une boîte. Vous allez, boum, boum, boum. On ne la trouve pas bien, cette ville, oui, ouais. Je crois que c'est très juste. Et puis il y a trop de puritanisme, vous savez, c'était une ville très amusante il y a 15 ans, mais c'est devenu très très puritain. C'est une ville un peu plus amusée en dehors de sa maison. Ce qui veut dire qu'on ne s'amuse plus dans sa maison. On cherche des moyens. Comment s'amuse-t-on, par exemple, à Mexico? Hein? Comment s'amuse-t-on? On danse, on va à Acapulco, à Cuernavaca? Vous me compromettez, monsieur Chabot. Non, je veux dire... Soyons discrets. Les gens, non, je veux dire les gens, Carlos Fuentes. Oui. Quelle est la distraction des Mexicains? Les pyramides, qu'est-ce que c'est, enfin? Non, c'est le cinéma, vous voyez, c'est grand queue dans le cinéma, toujours, non? C'est la télévision, c'est la radio. Mais ça, c'est la vie moderne. C'est la vie moderne partout, ouais, ouais. Mais il n'y a pas des manifestations collectives, presque, non? Manifestations sociales de l'amusement. Vous faites dire à un de vos personnages, qui s'appelle, je crois, Manuel Zamacona, et qui est un poète, le Mexique ne s'explique pas, on croit dans le Mexique avec fureur, avec passion, avec découragement. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là?
Je voulais dire par là que pendant toute l'histoire du Mexique, ce sont surtout les attitudes de passion, les attitudes de vie qui ont fait le pays ce qu'il est. Ce qui est différent maintenant, c'est que ça, tout ça que Zamacona a dit est mort. Est mort tout à fait, non? Vous croyez? Oui, oui, je pense qu'essentiellement, c'est mort. Le pays est une autre chose maintenant, tu le vois partout. C'est un pays bourgeois, c'est un pays industriel. Ça veut dire que c'est un pays qui s'accommode, c'est un pays dépolitisé, c'est un pays qui met la passion dans le folklore. C'est un pays en train de développement. C'est pas exactement un pays sous-développé maintenant, oui. Non? Et ils ont adapté toutes ces techniques politiques, économiques, idéologiques du néo-capitalisme européen, que vous connaissez très bien, au développement du Mexique. Et le Mexique vit un étage de développement sous les formules de vie du néo-capitalisme. Tout à fait, non? Alors le néo-capitalisme a, d'une certaine façon, a brisé cette tension qu'on trouve dans les deux pôles, Zamacona et Robles, dans mon livre, oui. Pour faire une espèce de boule de coton dont on vit maintenant, très dépolitisée, où ce qu'on veut, ce sont les biens de consommation, les biens immédiats de la vie, etc. Oui. Et chaque fois, moi, on se pose cette question frappante, vivante, dramatique. Ça se passe partout, je pense, pas seulement au Mexique, ça se passe dans le pays de l'Est, en Europe, aux États-Unis. C'est un phénomène très, très de notre temps. Dans votre livre, vos personnages n'ont pas tellement le souci de leur bonheur ou de leur malheur, ça n'est pas ce qui les intéresse d'abord. Ce qui les intéresse, je crois, c'est une espèce de volonté de se connaître soi-même, d'être soi-même, de savoir ce qu'ils sont en eux-mêmes. Est-ce que je me trompe? Non, vous avez tout à fait raison. Et, je trouve ça correspond à quoi, cette recherche? Ça correspond à une histoire tout à fait brisée, à un pays qui a dû se poser une masque, puis un autre, briser cette masque et assumer un autre, jusqu'au point où on a perdu tout à fait l'idée, la connaissance de soi-même et des autres, non? Mais ce n'est pas un problème mexicain, je pense, non? C'est un problème assez universel. Oui, mais enfin, tout de même... Ici, c'est plus dramatique peut-être, et plus évident, disons cet horrible mot, à cause des évidences de l'histoire mexicaine. Mais je trouve que c'est un problème universel, non? Il me semble quand même qu'il y a une contradiction entre ouais. Le fait que les Mexicains recherchent un passé, alors qu'ils ouais. ont presque trop de passé. Il y a le passé indien, il y a ce meurtre collectif, comme vous dites dans ouais. votre livre. Ouais. Il y a ensuite toute l'histoire de la colonisation. Il y a ouais. les efforts de la libération. Il y a la révolution. Hein, il y a donc un passé considérable au Mexique. Ouais. Et d'un autre côté, vous dites dans votre livre qu'il faut que ce pays se cherche en avant, qu'il ne se trouvera pas en arrière. Et je crois exactement. Aucun pays ne peut se trouver en arrière. Non, mais ça a été un processus de l'histoire culturelle de ce pays. Non, c'est fini maintenant. Avant d'écouter à nouveau Luis Buñuel et ses amis continuer leur conversation sur tout ce qui s'oppose de l'extérieur au plein épanouissement de leur langage et de leur art, peut-être convient-il de faire le point des déclarations de Carlos Fuentes. De cet effort trop rapide pour atteindre quelque chose de la réalité de cette ville, de sa situation présente, on peut retenir comme le phénomène le plus important ce changement récent sur lequel l'écrivain a insisté à plusieurs reprises. On peut même, avant d'en arriver à constater ce changement, bien se pénétrer de ce que le Mexique n'est pas seulement une terre de contrastes et de folklore, c'est-à-dire un prétexte à oublier le présent au bénéfice d'un passé, si prestigieux et fascinant soit-il. Le Mexique est d'abord, pour le voyageur d'aujourd'hui, un pays en plein développement, au visage si singulier, si personnel. Et si Carlos Fuentes insiste sur cet avènement d'une bourgeoisie entrée, comme en France et en Italie par exemple, dans une phase de consommation active, c'est parce qu'il veut nous faire non pas juger, mais comprendre. Nous mettre aussi sur la voie où nous pourrons rencontrer nos jeunes cinéastes. Le seul espoir maintenant, c'est ce nouveau concours qu'on a fait, qui accepte justement le syndicat de techniciens, la branche de techniciens a accepté ça. C'est laisser liberté à tout le monde de faire ce qu'il veut, en lui donnant des facilités pour tous les jeunes, tout le monde peut rentrer là.
Alors il y a moins une trentaine de personnes qui sont inscrites. Donc c'est la première possibilité de voir le nouveau talent du cinéma. Et je crois que c'est le seul progrès dans le cinéma mexicain depuis 30 ans. Mais il y a au moins, un domaine, je pose la question à tous les trois, il y a au moins un domaine où la liberté devrait exister, c'est les sujets, les scénarios. On ne peut pas empêcher un écrivain ou un homme qui a envie d'écrire un scénario de le faire. Mais voilà. Et de le proposer à un producteur. Il y a quelque chose que je vais ajouter, je suis absolument d'accord à tout ce qu'il a dit. C'est ça. Maintenant, il y a un mouvement nouveau. Même dans les syndicats, les directeurs, ils ont ouvert les ports du syndicat, les metteurs en scène. Bon, les techniciens, ils ont organisé ces concours, de lesquels j'espère qu'ils vont sortir de nouveaux talents. Ça va. Et scénaristes, ils ont ouvert les ports, n'est-ce pas? Quelqu'un, il peut rentrer écrire des scénarios. Et il y a beaucoup de jeunes gens, une nouvelle génération qui connaît beaucoup du cinéma, qui l'aime, qui veut faire quelque chose de bien. Mais pour moi, la chose la plus importante, c'est, comme il disait, la mentalité des producteurs. Même s'il y avait gens du talent, même s'il y avait de nouveaux metteurs en scène, et des grands scénaristes, d'accord, il y a toujours une barrière, non? Oui, oui. Que c'est, les producteurs, sauf deux ou trois exceptions, la majorité, ils sont des gens presque illettrés, qu'ils ont fait une fortune d'une façon que je ne vais pas raconter dans ce moment, n'est-ce pas? Et alors, même si vous arrivez les plus grands scénaristes du monde avec les meilleurs scénarios, personne n'achèterait ces scénarios. D'accord, d'accord. Un grand directeur, un grand metteur en scène ne pourra rien faire. D'accord, oui. Parce que toujours il demande sentimentalisme, et christianisme, et des choses humaines, je les mets entre virgules, non? Oui, guillemets, disons. Comment ça s'appelle, oui. N'est-ce pas, des choses humaines, tendres. Alors, jamais, ils vont permettre de faire une œuvre cinématographique, libre, honnête et internationale, vrai, n'est-ce pas? Ce sont les producteurs, la grande barrière du cinéma mexicain, qui sont des commerçants, qu'ils devaient faire, je ne sais pas, des chaussures ou des choses comme ça. Il y a deux ou trois qui sont un peu mieux, non? Oui. La preuve, c'est qu'on a fait l'Ange Exterminateur et des choses comme ça, à Mexique, non? Mais très peu. Deux, trois et ça va. Je dis maintenant, le slogan du cinéma mexicain, c'est tout à fait chrétien. Foi, espérance et charité. C'est la besoin de former le... un cinéma qui exprime la vérité de la vie mexicaine. Mais je trouve que c'est la vérité la chose la plus importante pour n'importe quoi. Non? Et si on montre une réalité déformée, alors le film, ça sera mal, non? Tout lo he filmado fuera de los estudios, tratando precisamente de que sea todo auténtico y verdadero. C'est un besoin que vous ressentez, ce besoin d'authenticité et de vérité. Si, si. Si ha habido esa necesidad de buscar la verdad, si. C'est là qu'il montre dans les films, on n'existe pas à mon pays, non? On est vraiment préoccupé pour trouver la vérité de la vie ici, à la ville. Parce que c'est tout à fait inexploré. C'est la formidable opportunité de travailler à la vie de la ville du Mexique et de tous ces caractères qui m'intéressent et m'appassionnent. Le problème ne termine pas avec le producteur. Vous pouvez avoir un producteur très éclairé. Oui, il y en a au Mexique. Il y en a. Qui veut faire un certain film. Il y a encore le problème de la censure. Jusqu'ici, on a eu ce problème au Mexique. Maintenant, on a l'espoir que ça va changer. Il y a un jeune universitaire très bien à la direction de cinématographie, mais jusqu'ici, on a eu ce problème aussi. Carlos Fuentes, ce que j'aimerais savoir de vous, ce sont les causes profondes de ça. La bourgeoisie qui est sortie de la révolution mexicaine, la bourgeoisie d'un pays sous-développé, a eu besoin d'une certaine consécration qui n'admet pas la censure, qui n'admet pas la critique. Elle veut se consacrer de toutes les façons à travers les journaux, les télévisions, la radio, le cinéma. Elle n'admet pas une critique, je dis même une vision qui peut mettre tous ces grands apparats, toutes ces grandes apparences en doute, non? Il ne veut pas être considéré comme des êtres humains contradictoires.
même tragique. Il veut être considéré comme les grands statues en marbre de la patrie, de la morale, de la religion, etc. etc. L'héritage de la Révolution. Oui, oui. Monsieur Buñuel demande la parole. Non, je crois que Carlos a raison, mais je crois aussi que la censure mexicaine n'est pas pire que les autres censures du monde. En ce moment, Luis Alcoriza, vous êtes en train de terminer un film, n'est-ce pas? Oui. Qui s'appelle Tarahumara. Tarahumara. Ça, c'est le nom d'une race des Indiens mexicains. Oui. Et voilà, je vous disais avant que je n'aimais pas les idées très préconçues, mais on est toujours esclaves de nous-mêmes, non? Pour vous dire comment j'ai eu l'idée de faire ce film, naturellement, je ne suis pas d'accord avec le monde qui m'a été donné pour vivre, non, et notre société. Je ne l'aime pas beaucoup. Et je trouve maintenant qu'on est en train d'arriver, on essaye d'arriver aux planètes, probablement on va arriver à la Lune, à Mars, partout, mais on n'aurait pas arrivé à résoudre. Oui, résoudre. Les problèmes les plus élémentaux pour l'être humain. La faim, la justice, le respect pour l'être humain. La dignité. La dignité, n'est-ce pas? Alors, on continuera, on fera un monde merveilleux, des progrès, mais toujours ça va continuer, au moins qu'il y ait un changement. Mais alors, je suis arrivé dans ces montagnes qui sont complètement isolées. Et j'ai vu ces Indiens, très intéressants parce qu'ils sont dans un état complètement primitif, ils n'ont pas d'art même, de peinture, rien du tout. Peut-être une petite musique élémentale. Mais c'était très touchant parce qu'ils sont, comment dire, très civilisés dans un point. Par exemple, ils ne sont pas du tout violents. Ils n'utilisent jamais la violence, il n'y a pas de crime, ils ne volent pas. Ils sont dirigés par une authentique démocratie populaire parce qu'ils choisissent leur gouverneur et tout de suite qu'ils commettent une gaffe, on les substitue. Ils n'ont pas de problèmes religieux parce qu'il y a des gens qui sont catholiques, des autres qui sont païens, ils mélangent. Ces symboles avec la religion catholique, ils sont très tranquilles, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème moral. Ils se prêtent les femmes. Et c'est une chose très drôle dans un pays comme ça. Ils sont complètement à part. Et alors ça m'a touché. Et avant de faire le film, je suis parti vivre avec eux pour pas mettre mes idées dans le film, non? Sinon, prendre la réalité comme elle est. Oui. Sans... Donc il y a un côté documentaire dans votre film. Oui, 70%. Oui. Et l'histoire, c'est l'histoire de deux hommes. Non, c'est l'histoire d'un type qui arrive, commissionné par une grande société pour faire des articles sur les Tarahumaras. Oui. Alors il commence à vivre avec eux. Au commencement, il comprend pas leur monde, mais peu à peu, il commence à faire des amis. Et à les comprendre et avoir ses problèmes, il s'oublie de son travail anthropologique et il commence à travailler pour leur terre parce qu'on les enlève leur terre, non? Voilà. Chaque fois, on les pousse plus loin, plus loin. On vole leur terre. Oui, il commence à les défendre et à vivre avec eux, à les comprendre et à devenir un Tarahumara aussi. Mm-hmm. Et après, c'est l'héros raté. Parce qu'on les tue, on les tire, ils tombent par un précipice, non? Il est mort sans bénéfice pour les autres, tout va continuer, il n'y a pas de solution, au moins pour le moment. On les tue, on l'envoie dans un avion à sa famille qui l'attend en ville et c'est tout. Les autres, ils continuent la même chose. Et il y a l'ami indien à la fin qui court derrière de l'avion et il reste dans les champs là-bas, regardant au ciel, mais pas regardant au ciel comme oui, en regardant à la fin de l'avion. Regardant l'avion, oui. Oui. C'est tout de même finir sur l'amitié quand même, sur une amitié. Oui, ça pour moi c'est assez obsédant aussi, la fraternité, l'amitié entre les hommes. Et votre film, comment s'appelle-t-il?
Il s'appelle « Il n'y a pas de voleurs dans ce village ». Il est basé sur le livre d'un écrivain colombien et j'ai choisi cette histoire parce qu'elle est simple et parce qu'elle a un intérêt humain. Je n'ai pas de prétention d'innover sur le plan technique et je crois que le langage du cinéma doit être simple. No tengo pretensiones de renovación ni de grandes innovaciones técnicas ni nada. Sé que el lenguaje del cine debe ser simple. La profession de foi d'Alberto Isaac, nous la comprenons mieux encore en suivant ici un des interprètes de son film, qu'on a tout d'abord un peu de mal à reconnaître ainsi costumé. Et pourtant, c'est bien lui, Buñuel, qui joue dans « Il n'y a pas de voleur dans ce village » le rôle du prêtre. Et c'est pour nous le moment de dire ce que Buñuel représente au Mexique pour les jeunes cinéastes, et qui est immense, puisque c'est à lui que se rattachent plus ou moins tous les courants vivants du cinéma. Sans lui, sans sa présence au Mexique, toutes ces choses qui naissent n'existeraient sans doute pas. Il est comme un phare, pas seulement pour les Mexicains, bien sûr, mais ceux-ci peuvent le voir de près, le rencontrer, et recevoir de lui l'irremplaçable exemple d'une vie d'honnête homme. Alberto Isaac, avec son film, est bien dans la ligne d'un Buñuel, en nous racontant une histoire qui lui permet d'affirmer une position morale. Dans un village tranquille, un vol a été commis, et parce qu'une sorte de raison d'État veut qu'il n'y ait pas de voleurs parmi la population, les soupçons se portent sur un étranger, un albinos, différent par l'origine et par la couleur de la peau. On voit quelle accusation contre les préjugés et le racisme cette histoire peut faire naître. En pleine rue, avec des moyens limités mais suffisants par rapport à son sujet, Salomon Leiter tourne son film qui met en scène deux enfants éduqués dans une de ces écoles tristes que l'on rencontre fréquemment dans les grandes villes. Ici, la préoccupation devient intimiste. C'est un témoignage sur l'enfance qui naît d'un besoin de parler de soi, d'explorer son propre passé, peut-être pour s'en délivrer avant l'âge adulte. La même préoccupation se retrouve d'ailleurs dans le film de Manuel Michel. Nous avons pu assister à un de ses tournages et pour cela, nous sommes allés dans ce monastère, au milieu d'une forêt qui domine Mexico, à plus de 3000 mètres d'altitude. Un enfant est secrètement amoureux de sa cousine, fiancée. Et tandis qu'elle s'isole dans d'interminables tête-à-tête, il cherche, lui, à se délivrer de ses souffrances dans les jeux, ou dans la découverte d'une autre vie, instinctive et passive comme la sienne propre. Ici encore, l'accent est mis sur une étude de caractère. De plus, un tel sujet est une bonne occasion pour éprouver si l'on possède ou pas la faculté d'exprimer avec des images des sentiments, des états d'âme, un récit intérieur en quelque sorte. En somme, un tel sujet ne nous semble pas très éloigné des Mistons, le moyen métrage avec lequel un François Truffaut fit ses débuts au cinéma. Ici se manifeste non plus seulement l'exemple de la nouvelle vague française, mais aussi son influence, qui pousse les jeunes metteurs en scène mexicains à considérer le cinéma avant tout comme un moyen d'expression, au même titre que la littérature, par exemple. Vous jouez, je crois, un rôle très important, peut-être même le rôle principal d'un film qui s'appelle Tarimara. Oui. N'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que ce film? En deux mots. Bon, en deux mots, c'est un film qui s'agit de retrouver... C'est l'histoire de deux couples qui essayent de retrouver... L'innocence originale. De l'enfance. Oui, c'est ça, exactement. Est-ce qu'ils y arrivent? Non. 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 C'est l'histoire d'un échec, alors? Oui, plus ou moins, oui. Juan José Gurrola règne sur son plateau avec un flegme parfait. Et pourtant, les images que nous avons pu voir de son film révèlent un tempérament très lyrique. Il appartient à ces jeunes metteurs en scène dont on dit qu'ils sont des fous de la caméra. Bien qu'ils viennent du théâtre, il possède un sens aigu du mouvement et des possibilités expressives de la caméra. La belle et jeune mariée que nous venons de voir et qui vient d'essayer sa robe dans ce décor d'atelier de peintre
a été aimé par son frère du temps du paradis des amours enfantines et la vie a brisé cet amour interdit. Tarimara sera sans doute un film sombre, déchiré, rempli de bruit et de fureur. C'est un autre bruit et une autre douleur que nous fait entendre sur le balcon vide le grave et beau film de Romy Garcia Scott. Romy Garcia Scott, vous avez fait un film qui s'appelle « Sur le balcon vide » qui est connu en Europe puisqu'il a eu le prix à Locarno. Et c'est un film sur les réfugiés espagnols au Mexique. Pas exactement sur le réfugié espagnol, c'est une histoire assez autobiographique écrite par ma femme sur la rupture d'une enfance à cause de la guerre d'Espagne et la nostalgie du pays perdu. Dans le salon, mes parents écoutaient la musique. Ma sœur étudiait dans sa chambre. Et moi, dans la mienne, je mettais beaucoup de soins à démonter une montre parce que la montre n'était pas à moi et que j'avais peur que l'on me punisse. C'était un après-midi quand j'ai vu cet homme sauter du toit et se cacher. State quieto, hombre. State quieto que no te vean. Yo no digo nada. No tengas miedo. Ne bouge pas, homme. Ne bouge pas. Ou ils vont te voir. Que si no te van a ver. Je ne dirai rien. Je te le promets. Mais ne bouge pas. Tu vois? Je veux regarder de l'autre côté. Pour qu'ils pensent que tu n'es pas là. Tu vois? Je le fais bien. Mais ne bouge pas. Fais-toi petit, tout petit, petit. No ves, ya se van. Tu vois, ils s'en vont. Mais je voudrais savoir comment vous avez pu le faire, parce que jusqu'à maintenant, nous avons parlé
de ce cinéma mexicain qui existe évidemment, mais qui est quand même un cinéma mexicain qui arrête certaines choses. Et vous, vous avez fait votre film en 16 mm et tout seul, je crois. Oui, tout seul. Alors vous avez... avec beaucoup d'amis, heureusement. Oui. C'est-à-dire, on s'est réunis, on a décidé qu'il fallait faire un film. Enfin, on avait parlé longtemps, trop longtemps, et qu'il fallait faire quelque chose. Alors, on a pensé, avec ma femme et un critique très ami à moi, Emilio García Riera, qu'est-ce qu'on pourrait tourner. Et alors, il y avait plusieurs histoires que ma femme avait décrites et qu'elle a pensé réunir en une seule histoire, plus ou moins autobiographique. Mm-hmm. Alors, on a fait l'adaptation pendant plusieurs semaines. On s'est réunis à la maison, les trois. Puis un beau jour, alors j'ai parlé avec un caméraman de mes amis, José Matorre. Alors il a mis son talent à notre disposition. Puis tous les amis ont contribué. Il y a des peintres qui nous ont fait cadeau de tableaux pour les vendre, d'autres qui nous ont donné de l'argent liquide. Et plus ou moins, on s'est débrouillé, on a acheté la caméra et on a commencé à tourner les dimanches. C'était vraiment du cinéma du dimanche. Oui. Oui. Alors, les tournages étaient assez amusants parce qu'il n'y avait pas d'acteurs professionnels. C'était toujours des amis. Et alors, les amis, le dimanche, ne pouvaient pas laisser les gosses à la maison. Alors, ce qu'il y avait derrière la caméra, c'était toujours une bande de gosses affamés, les mamans, tout le monde qui courait d'un côté à l'autre. Mais on s'est débrouillé pas mal, enfin, je crois, et les acteurs non professionnels ont très bien joué. En somme, avec ce film, vous avez prouvé qu'on pouvait faire du cinéma en dehors des cadres de ce qu'on appelle la cinématographie mexicaine. Oui, et même, enfin... Vous êtes le premier, un peu. Oui, ça c'est un point de vue un peu personnel, même en dehors des cadres de ce qu'on pourrait appeler la cinématographie tout court. Oui. Et c'est d'ailleurs ce cinéma qui m'intéresse le plus. Avec le Déraciné, avec l'aristocrate aussi, dont la connaissance de Proust et d'André Gide m'étonne encore quand je repense à tout ce qu'il m'a dit, avec Romy García Scott s'achève cette enquête. Maintenant, c'est le temps du souvenir et du bilan. À travers ces rencontres, il me semble que j'ai touché quelque chose du Mexique d'aujourd'hui. Si vous allez à Mexico, vous entendrez parler des livres de Carlos Fuentes et vous verrez aussi les films d'Alberto Isaac et de Manuel Michel. Et ne peut-on espérer, ces films, les voir en France, dans un avenir aussi prochain que possible? Ce qui reste maintenant de ces conversations, hélas trop rapides, c'est le souvenir d'une obsession commune à tous, l'obsession de la vérité et de la réalité. Ils ont tous dit, il faut trouver et montrer la vérité, parce qu'ils pensent tous que cette recherche constitue la fonction et le but du cinéma. Si leurs films viennent en France, ils ne seront plus tout à fait maintenant les œuvres d'inconnus. Et avant de les quitter, Luis Buñuel va nous dire le dernier mot, parce que c'est un mot d'homme. Si je vous demandais, est-ce que vous aimez le Mexique? Que pensez-vous du Mexique? Écoutez, je suis libre, je suis un homme, c'est pas universel, je dis pas universel, mais cosmopolite. Je pourrais vivre très bien en France et dans d'autres pays, et je vis ici, c'est tout dit. Ça veut dire que j'aime ici. C'est-à-dire que je suis fixé au Mexique. Les raisons, c'est naturel, je l'aime, sinon je n'habiterai pas ici. Je suis libre. Cette émission a été réalisée grâce au concours de Luis Buñuel, Carlos Fuentes, Luis Alcoriza, Romy García Scott, Icaro Cisneros, José Luis Ibáñez, Alberto Isaac, Salomón Laiter, José Luis González de León et Pilar Pellicer.